Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous allez vous présenter. Moi, c'est mademoiselle Marie-Caroline. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes chez Papa Florian et Oui. vous êtes là avec votre nièce. Oui. Elle est là pour se décharger, elle est là pour se confesser. Mais tu vas nous dire comment ça a commencé. C'est ma nièce. Ça a commencé quand j'étais chez mon mari à Yopougon. Comme j'étais chez mon mari à Yopougon, j'étais seule. Je fais le commerce de Ghana. Je vais au Ghana, j'envoie les bagages, je vends. Je suis seule. J'ai vu que comme je suis seule, ma fille va à l'école. Donc j'allais chercher ma nièce, comme elle fait rien. Parce qu'elle était restée très petite et sa maman m'a laissée dans ma main. Au moins j'étais au village. Donc c'est moi qui l'ai élevée. Comme je vois que je viens petit, où je vais rester maintenant, ok, mais après ma nièce, elle va rester à moi. Donc c'est comme ça, je suis partie la chercher au village. Elle est venue à moi. Donc elle est venue à moi. Mais tu marchais bien, bien. Je quitte au Ghana, je place mes choses, j'encaisse. Avant de finir d'encaisser, je vais faire mon petit commerce, je vais payer avec condiment. Le temps qu'il a fini de faire encaissement, je rassemble tout ensemble et je me retourne. Mon mari a compté 200 francs pour me donner. Il faut te débrouiller. Mon mari n'est pas un fonctionnaire d'État. C'est un homme de métier. Il fait des choses, comme on appelle, calligraphie, il fait les t-shirts des écoles. Il dit, comment je suis un homme de métier, c'est pas tout le temps ça marche. Comme ça, il faut te débrouiller, nous deux, on va s'aider. Et c'est ce que je faisais. J'ai envoyé ma nièce. Quand j'ai envoyé ma nièce, un mois après, quand je vais faire encaissement, rien ne rentre. Quand je vends, je ne comprenais rien. Tout ce qu'ils vendaient, tout a arrêté. Quand je voulais aller la chercher, mon mari dit non, il ne faut pas envoyer une autre fille ici. Que nous sommes dans la chambre salon. Ici, en train de construire, ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas envoyer une autre fille. Je dis, c'est ma nièce. Elle est au village, je suis sûre. Ta fille ne veut rien faire. Et puis en plus, elle est en train d'apprendre son métier. Elle ne veut rien faire à la maison. Donc, si c'est comme ça, j'ai envoyé ma nièce. Il dit, d'accord, comme tu insistes, envoie ta nièce. C'est comme ça, je suis partie la chercher. Donc, nous sommes là, un mois. On a fêté tout ça là. Les photos qu'on a prises pendant la fête là, au salon là, tout est grillé. C'est par là que j'ai commencé à remarquer. Tout est grillé comme en photo là. Rien n'est sorti. J'ai demandé à la photographe, non, les photos sont gâtées. Ah, tu photos, puis ça ne sort pas. Oui, rien n'est sorti. Il dit non, je ne comprenais rien. Vos photos là, vraiment, aucune d'attirer. En ce temps, ma belle-mère était là. Il a tiré 111 cartes. Zéro, rien n'est sorti. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. J'ai habillé les enfants, j'ai donné les cadeaux, un peu qu'on se faisait le plaisir, préparé au salon, tout était là. Pour que soit, quand ma mère va partir à d'autres cas, ça serait un souvenir pour elle là. Mais rien n'est sorti. D'accord. 2 semaines après la fête, je dormais. Parce que quand je dors juste à 16 et puis j'ai fait un encaissement, je dormais. 16 heures arrivées, je ne vois pas ma fille. Pour qu'elle prépare le riz. Mon mari va venir à 17h, 18h. Pour qu'elle prépare pour moi. Je ne la vois pas. Je tourne, Dieu est sorti. Avec Josiane, avec ma fille, l'enfant de mon mari, elle est sortie avec elle. Elle est venue, mais je te dis quoi, Richard? Je te parle de ne pas sortir à Josiane. Si elle veut rien faire, il faut la laisser. On donne encore aller apprendre la couture. Elle ne va pas au travail comme il se faut. Laisse-la qui derrière elle, pourquoi tu la suis? Elle ne me répond pas. Elle s'adosse au mur comme ça. Donc j'ai pu sortir de mon mari. J'ai commencé à la taper dans sa peau. Je l'ai dit, Où est-ce qu'elle s'adosse? Elle s'adosse là, elle ne bouge pas. J'ai dit, ah bon? Bien après ça, on partait dans une église à Yopougon, en face de la Sikoja, église de Glopa. Il y a une soeur qui est arrivée, elle dit, ta fille qui va venir, il faut faire très attention, que si elle vient là, il faut l'envoyer à l'église. J'ai dit, mais elle est déjà là. Elle dit, quand j'ai rêvé, elle est tombée à l'étage. Je vois un coup, elle est déjà montée. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Donc, dès qu'elle arrive, on a commencé à aller à l'église. Mais quand on est là, comme ça, le pasteur, prie, le prophète, il prie, ah, il y a quelqu'un qui me tape, mais c'est un garçon. Je dis, elle est femme. Il dit c'est un garçon. Qu'est-ce que c'est pas? Je tourne derrière moi. Ma fille est en train de dormir. Je la tape. Je dis, mais on prie, tu dors. Ça veut dire quoi? Tu fais quoi? Préparer le riz, laver deux à ce qu'on mange dedans là. Hein? À quoi ça tu dors à l'église? Donc c'est comme cela que tu as découvert petit à petit. Quand j'ai commencé à la chicoter, taper. C'est que petit fille, on tape, il ne pleure pas. Je l'ai tapé sans. La petite fille est rentrée dans le mur. Ok. Quelque chose me dit. Parle à ta fille là, elle va te faire quoi? C'est une sorcière, il faut parler. Il dit, hé, hey, ce que tu es venu faire là, moi ça va me rater. C'est moi qui t'ai mis au monde, moi mon sang n'est pas tombé, c'est toi, mais je t'ai mis au monde. Parce que tu avais un an que je t'ai pris, juste aujourd'hui tu es à moi. Ah bon? Donc c'est ce que tu fais. Tous ses yeux étaient devenus rouges. J'ai tourné tête de sortir. Quand il a mis ta, elle dit, maman, pardon. Elle dit, non, tu ne rentres plus dans le mur. Rentre dans le mur, tu as sorti. Rentre, peut-être que tu as rentré, tu vas rester, tu vas mourir. Il est limé encore. Elle est ressortie maintenant, elle a commencé à pleurer. Moi aussi, je l'ai laissée comme ça. Je n'ai rien dit. J'ai perdu ma belle sœur, elle est restée à Bégerville. Quand elle est restée à Bégerville, mon mari m'a appelé de Bégerville. Ah,
ta fille est tombée, hein, parce que ma première fille, ça va avec mon mari, il est fait, mais c'est lui qui a pris comme sa fille. Il dit, ah, ta fille est tombée, mais elle est blessée. Ah, elle est blessée comment? Vous ne voulez même pas me dire la cachette, parce que c'est que si moi, qui va me dire, j'ai laissé à faire des funérailles, elle est venue, si le poucon. Dieu ne m'a pas dit, qu'est-ce que je suis venue maintenant? Il voit espadras sur le fond de ma fille. Il dit, mais il y a quoi? Elle-même, elle dit, maman, Fabiola est tombée, elle est blessée. Il y a un espadras, voici le trou qui s'en va dans le fond de mon enfant. Deux semaines après, ma fille dort jusqu'à 11h. Je dis, maman, va réveiller ma fille. Tu l'as terminée? Va la réveiller. Elle s'en la réveille. La fille vient. Elle se jette devant la porte sur son pas. Il dit, tu as faim? Elle dit, maman, il n'y a pas faim. Cacha a rempli sa bouche. Il dit, Richard, c'est quel travail tu es en train de me faire comme ça? C'est quel honte tu as mis sur moi comme ça? Le monsieur m'a dit, c'est pas que tu vas venir. J'ai insisté, il dit, il faut venir. Tu as mis la honte sur moi. Je t'ai fait quoi? Quand mon mari s'est levé, il dit, je t'ai fait quoi? Tu mets la honte sur moi? Elle n'a pas parlé, hein? Une semaine après encore, elle voit ma fille dans la cuisine où elle est en train de préparer. Et puis elle dit, Fabiola, si ta grand-mère vient la nuit, il faut pleurer, qu'on associe tout ton sang. C'est moi avec ta grand-mère, avec elle aussi c'est sa grand-mère, c'est moi avec mon grand-maman qui fait que tu ne grossis pas. C'est nous qui fait que tu n'arrives pas à bien manger. Parce que la petite fille, quand elle fait sa nourriture, elle va à l'école, ça, elle revient à ça. Ah, c'est quoi qui se passe? Elle dit, ah maman, il n'est pas fait. Je peux sucrer pour donner à l'enfant. Maman, il n'est pas fait. Je l'amène ici, il n'est pas fait. Richard, il y a quoi? Elle dit, maman, c'est ta maman même qui a fait ça. D'accord. Elle dit, il ne faut pas te marier. Ok. Maintenant, comment vous êtes arrivé au chemin du ciel? Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici. C'est la première fois que vous venez ici? Ce n'est pas la première fois. Mm-hmm. Au moins qu'elle va me rencontrer, tout ça là, on venait ici. Maintenant, quand ça a déclenché, sa maman l'a pris pour l'envoyer quelque part en disant qu'ils vont casser ses yeux. Ils vont déterrer le canari qui est au village. Ok, j'ai compris. Nous sommes restés à Bijan ici. Moi, j'ai perdu tout là. Je n'ai plus l'argent, il n'est plus rien sur moi. Donc, je la cherchais. Je vais au village pour que je vais la prendre pour l'envoyer, pour le ramener ici, pour qu'on vienne ici. Je vais, il a tout fait. À tout près, un jour, on va se croiser. Non, c'est pour sa délivrance que tu l'as menée, voir papa. Parce qu'elle-même a dit, maman, je suis fatiguée, je vais quitter dedans. D'accord. Et je suis fatiguée. Dis un peu, qui t'a mis dans la sorcellerie? Dis-nous ton nom. Tu t'appelles? Je m'appelle Gay Richard. D'accord. Tu as dit que tu veux quitter dans la sorcellerie. Oui. Et ici, quand on veut quitter dans la sorcellerie, on dit tout ce qu'on a fait quand on était dans la sorcellerie. Et c'est ce qui prouve que tu veux vraiment quitter. Voilà, si tu ne dis pas tout, l'homme de Dieu ne pourra pas commencer la délivrance. Donc, il faut nous dire qui t'a mis dans la sorcellerie. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est ma grand-mère. D'accord. Elle t'a dit de faire quoi? Elle m'a dit de gâter la vie. Elle a déjà gâté la vie de ses enfants. Mm-hmm. Mais elle dit, moi, comme je suis sa petite fille, ici à côté d'elle au village, elle n'a qu'à venir à Abidjan pour gâter le foyer de ses enfants pour pas ils vont réussir dans la vie. Okay. Parce qu'elle a pris crédit là-bas. Elle a dit que pour pas ses enfants vont réussir dans la vie, pour pas ils vont se marier, pour pas un homme riche vont le prendre pour les marier, pour qu'ils vont réussir dans la vie. Tout ce qu'ils vont toucher pour pas ça. Marché. Marché. Mmh. Elle t'a mis comment dans la sorcellerie? Quand elle était petite. Mmh. Elle t'a donné quoi? Il y avait tout, 9 ans. Mmh. Non, 7 ans. Mmh. 7 ans. Il y avait son petit frère qui était décédé. On n'est pas tout au village. Ma maman était venue, ma propre maman était venue au village. Elle nous a laissé là. Elle est partie. Mmh. Moi et mon petit frère. Mon petit frère me dit, ah, que grand-maman là, elle n'est pas bonne. Je dis comment? Elle n'est pas bonne. Elle va te gâter. Elle va te gâter. Mon petit frère regarde ma grand-mère. Et puis, mon petit frère dit, toi là, tu es sorcière. Que tu as gâté la vie de ma grand-soeur cadeau. Tu n'as rien à faire. Que tu as l'amené dans les conneries. Moi, il ne l'écoute pas. Moi aussi, c'est petite, il ne l'écoute pas. Elle dit, Richard, si maman vient là, il faut dire à un moment qui est en partie, que quand on reste ici, là, c'est pas bon. Jusqu'à au fur et à mesure, on jouait. Elle a pris mon petit frère. Comme mon petit frère l'a met trop, là, elle a pris, il y avait la pluie. Quand la pluie est chassée, le lendemain, mon petit frère s'est amusé. Maintenant, il y avait courant, tu t'es descendu comme ça. Tout à coup,
Ils ont passé premièrement. Lui et puis ses amis. Ils ont passé premièrement. Quand ils ont passé premièrement, il n'y avait rien. Maintenant, deuxièmement, qu'ils sont passés, ses amis ont passé. Lui, il va passer le dernier. Mais là, avant des gens, ses amis n'ont qu'à faire. Ce que ses amis ont fait, n'ont qu'à faire la même chose. Ils n'ont pas fait. Qu'elle a soulevé courant, là, ça l'a pris. Elle dit, elle va le tuer en même temps pour pas l'avoir là. Pour pas m'occuper de la merde. Maintenant, toi, comment elle a réussi à te prendre? Toi-même, comment elle a réussi à te prendre? Moi, quand j'ai une maladie, j'ai une maladie. Mon cœur, là. Poitrine. Pour les enfants qui font que. Mon cœur, là, ça battait fort. Donc, maman, c'est elle m'a amenée au village. Parce que j'étais chez elle. C'était petite, c'est elle m'a amenée au village. Maintenant, ma grand-mère, elle a commencé à me soigner. Dans mes soins, elle a pris mon cœur. Mon vrai, vrai cœur. Elle a pris. Elle a mis ça ailleurs. Maintenant, mauvais esprit là, le cœur là, elle m'a donné ça. En te soignant, ouais, quand même, tu te soignes. Voilà, elle m'a amené dans la forêt, un peu du village. Dans la forêt, c'est là-bas, elle m'a envoyé dans les brousses où ça même, les gens n'ont jamais. On ne peut pas voir quelqu'un. Les gens n'ont jamais vu là-bas, là. C'est là-bas, elle m'a amené. Mais si la route, le chemin là, elle m'assoit comme ça, et puis elle me dit. Tout déménage au village. Après, elle m'a donné. Elle dit, d'accord. Comme il est déjà gâté. Hein. D'accord. Maintenant, elle m'a pris maintenant. Elle m'a assis comme ça. La nuit, hein. La nuit même, où ça tout le monde dormait là. Elle m'a assis comme ça. Elle dit, où ça t'es là. Tu ne peux pas faire crochet maintenant. Il est déjà détruit. Donc, c'est ma mission maintenant. Tu vas accomplir. Il dit, maintenant, quelle mission? Maintenant, il dit, t'as fait ça, il a te donné ça, tu vas manger, viens. Il dit, viens. Maintenant, elle a payé, maintenant, quand elle a dit ça matin, elle a payé gâteau. C'est gâteau, elle a payé. Elle a partagé à mon petit frère. Maintenant, elle m'a donné petit comme ça. Petit, hein. Elle a donné gros. Il a commencé à pleurer. Il dit, ah, pourquoi tu l'as donné gros? Elle dit, faut manger. Faut manger. Tu vas voir. Ça, tu es rassasié. Lui, là, ça parle. Tu n'as pas lui rassasié. Faut manger. Non, c'est le gâteau qu'elle a ajouté. Voilà. C'est le gâteau qui était en fait la viande de l'homme. Voilà. Là, quand j'ai mangé, ça assis dans mon ventre. Il était rassasié. Il dit, grand-maman, il était rassasié. Elle dit, va t'amuser. Elle dit, va t'amuser. Que je ne suis pas t'amuser. Il va douler la santé. Donc, quand la durée, une semaine, deux semaines, c'était allé chez ma maman, chez sa jumelle, elle a maman. Maintenant, quand je suis partie à maman, mon ventre là, ça pousse, ça devient gros. Je on dirait femme enceinte. Mais maman, toi, t'es enceinte ou bien? Toi, t'es petit quand t'es enceinte. Elle dit non, mais maman, qu'est-ce que mon ventre? Elle dit non, ça, c'est pas 25. Qu'il y a quelque chose dedans. Elle dit qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien dedans. Donc c'est comme ça que tu donnais la nourriture pour manger. Voilà. Et tu entrais dans la société. Et la nuit maintenant, elle vient te chercher. Mais la nuit maintenant, elle m'informe ce qu'elle doit faire. Elle te dit ce que tu dois faire. Voilà. Maintenant, comment se passe la nuit? Comment tu la sens nuit, ton corps? La nuit, les jumelles, ce sont les jumelles. Maintenant, elle prend les serpents. Les serpents. Et ça va. Là, ce serpent de qui est pas juste. Vous tous, vous elle tous, elle assemble, et puis elle mélange ensemble. Puis ça, par exemple, c'est trois serpents, ça a les pieds, trois têtes. Puis il y a les boules qui vont partout. Puis ça va le feu. Voilà, c'est ça qu'elle a fait. Maintenant, quand elle a fait ça, elle dit, d'accord, à 1h du matin. 1h. Pour cela, elle dort vite. Comme ça, là. Elle va partir à sa maison. Donc, elle dort vite. Elle dort vers les 18h. 18h, elle va te coucher. Elle va te coucher. Vous allez vous préparer maintenant. Voilà. Elle va te coucher. Il dit, ah, grand-maman, que là, allez, là, comme ça, on doit se coucher. Elle dit, non, il y a quelque chose à faire la nuit. Il dit, qu'est-ce que je veux? Elle m'a approché, elle dit, ce qu'il y a, il faut faire.
Moi aussi, elle a déjà amené mon cœur, je ne sais pas comment il est fait. Donc je suis partie me coucher. 1h du matin, elle s'est déjà fait tout. Elle n'est plus l'homme maintenant. Elle est en somme ou pas? Voilà. En quoi c'est en somme? Gros oiseau comme ça. Voilà. Maintenant, qu'elle a fait, elle a fait son crachat, elle a mis comme ça. Parce que moi, je connais rien. Moi, mais il ne peut pas me transférer dans la serpent. Elle a fait ce cachet là. Qu'elle a fait comme ça. Me voici là-bas. Mon floco là-bas. C'est-à-dire que ton corps est là-bas. Voilà. Et puis ton âme est l'autre. Voilà. Mm-hmm. Mon floco est là-bas. Et mon âme ici. Donc c'est mon âme là. Elle a pu faire serpent. Qu'elle a pu faire serpent. Elle m'a têté. Elle a mis tout sa bec. Sa bec là sur mon cou ici. Mm-hmm. Et puis elle m'a pris. On est parti. Mm-hmm. Elle m'a fait promener partout sans doit partir. Elle m'a fait promener. Elle dit, tu vois, celle-ci ici venait enlever ton cœur. Celle-ci, ça, celle-ci en fait ici. Celle-ci en fait réunion. Celle-ci, c'est comme ça. Si tu veux sortir, maintenant celle-ci, tu as fait. Si tu t'appelles, il faut venir. Celle-ci, tu as fait. Mais si tu es en voyage, si tu t'appelles, il faut venir. D'accord. On a fini de se promener. À ce temps, il connaissait ni ses parents, qu'elle faisait la sorcellerie, il ne les connaissait pas. On est venu. Maintenant, en groupe, il y avait un veille, un groupe, tu vois beaucoup d'hommes qui sont venus si elle seule. Tu es venu si elle, mais même tu es assis comme ça. Ça, c'est dans le monde de la sorcellerie. Hein. Voilà. Mm-hmm. Non, c'était vis-à-vis. Non, il y avait un veille quoi. Donc ils sont venus. Okay. Les groupes vers la nuit. Non, en vis-à-vis. Mm-hmm. Ces groupes-là sont venus. Qu'ils sont venus. Maintenant, elle dit, elle m'a monté. Voilà ça. Ils ont commencé à rire en même temps. Maintenant, elle avait tout. Donc toi, quand tu vois un sorcier, tu le reconnais? Oui. Si je le vois, il le reconnaît. Donc elle avait Gouate ici. C'est ça son frigo. Et ça, son frigo. Mm-hmm. Et ça, elle me met souffle avec boîte la mère parce qu'elle fait frigo quand même. C'est ça, son frigo. C'était petit, mais quand c'est devenu frigo, ça a grandi. Mm. C'est ça, son frigo. Donc, quand elle veut faire les signes, c'est fait, comme ça, elle fait. Comme ça, elle montre comment. Ça sort même. Ça veut dire, yes, ce que tu as fait, c'est bien. Ça sort fort même. C'est moi, j'étais assis. Ils sont venus me saluer. Ils ont mis la main ici. Donc, nous les mains là, c'est ma blessée. Ils ont fait comme ça. Ils sont passés. Ils sont beaucoup de. Ils ont fait comme ça. Ils sont partis. 60 personnes m'ont salué. Sur place, ils étaient assis quand ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Ils sont passés. Et puis, ils tous même les mains sur ma tête. Sur ma tête, jusqu'à la nuit. Premièrement, elle a dit de passer sur la porte. Il ne pouvait pas passer. Il n'est pas dit que elle est passée à travers la porte. Voilà. La porte est fermée. Voilà. Il faut passer quand même. Il est passé. Mm-hmm. Elle dit, ah, je ne sais pas comment il est fait. Elle dit, d'accord. Si ça va qu'on fait, attends, il va te montrer. Quelle mère l'a passé. Il n'est pas vu. Il la cherche. Il la voit pas. Toi, tu es nouvelle dans la chose. Il la cherche, il la voit pas. Il dit, attends, parti me coucher. Elle est venue en même temps, elle a crié, elle a commencé à rire en même temps. Faut te lever. Tu vas où? Il dit, non, quand tu es parti là, il n'était pas vu. À cause, c'est pas tu me coucher. Elle dit, faut te lever. C'est comme ça qu'elle a fait maintenant. C'est-à-dire, elle est partie pour même là, pouvoir même pour venir maintenant. Mm-hmm. Nous montrer comment on sort. D'accord. Qu'elle est venue maintenant, elle a fait comme ça. Il voyait clair même. Les yeux sont ouverts maintenant. Voilà même. C'est maintenant. Le pouvoir, le grand pouvoir. Voilà, c'est maintenant, je vois clair. Donc, elle dit, il faut essayer. Quand j'ai passé, je suis passé. Je suis revenu encore. Il a dit, d'accord. C'est qu'allons-y. La marché. On n'a pas transformé en semaine. Elle aussi. Et ça va commencer à devenir intéressant maintenant. C'est comme un film maintenant. Elle ne sait pas transformer en semaine. Et moi, je ne sais pas transformer en semaine. Elle ne sait pas transformer en oiseau. Nous, on est parti comme ça. Et avec nous. On est parti nul. Mm-hmm. Nul. On est parti nul. On est parti zongwa comme ça. Bon, on est. J'ai bu sang. J'ai mangé
la nourriture qu'ils m'ont donnée, j'ai mangé ça. Maintenant, quand tu es entré dedans, qu'est-ce qu'il faut lui soulever la tête? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait maintenant sur les gens, sur tes tantes? Qu'est-ce que tu as maintenant, fait? Maintenant, elle dit ma mission que je dois faire. Mais il y a les autres là, ils envoient ses parents. Oui, chacun voit ses parents. Voilà. Ils envoient ses parents. Maintenant, elle a dit, moi de forcer, elle a tué ses frères. Elle a tué ses frères. Maintenant, les gens là-bas, ils disent qu'ils n'ont qu'à envoyer. Elle a qu'à envoyer. Regarde la caméra. Elle m'a envoyé. Elle dit de partir. De détruire d'abord. Elle dit d'envoyer maman, là, sa fille. Sa maman qui est là? Sa fille, là. Sa fille. Sa grande fille. Sa grande fille, ok. Sa grande fille. Donc, je suis partie. Je suis partie, j'ai pris notre âme. Son âme. Son âme. Comment tu as pu prendre son âme? Tu l'as appelée? Elle m'a montré comment on fait. J'ai pris son âme. Parce que c'est ma mère. C'est l'âme que vous prenez. Attends. C'est ma mère. C'est ma mère, mais elle, sa mère, je suis aussi. C'est-à-dire qu'elle est rentrée elle sur ta main. Elle est derrière moi. Elle est derrière moi. Et puis moi aussi devant elle. Donc si moi, il prend. C'est elle qui prend. Voilà. Elle attrape moi. C'est concernant nos mains là, elle. Elle attrape moi. Maintenant, elle est donc couchée sur le lit. Elle a fait comme ça. Elle a soulevé. Elle a envoyé la coucher. Elle a mis coach. C'est comme mouton. Elle a couché. Maintenant, elle dit c'est en janvier. Janvier. Elle doit tuer la petite fille. C'était quel janvier? Janvier qui vient, mais janvier qui est passé. Non, 2012. C'est en janvier. Elle doit tuer la petite soeur. Ma petite soeur. Maintenant, moi, je vais manger la chair maintenant. Il est devenu sorcier, il n'est pas pour avoir pitié de quelqu'un. Il va avoir pitié de quelqu'un. Même si quelqu'un me dit, il faut faire ça, il va me fâcher vite, il va tuer la personne, il va faire du mal à la personne. Là, c'est comme si elle a donné maintenant sa propre chose. Maintenant, moi j'ai pris, j'ai accroché ma petite soeur. Maintenant, ça n'a pas duré. Ma maman est venue me chercher au village. Elle dit, allez, à Abidjan. Ils sont partis me traiter. Elle dit, s'il veut, il n'y a qu'à partir. Vas-y. S'il veut, il n'a qu'à partir. S'il veut, tu cherches. Il n'a qu'à partir chez madame. Ça ne me moque pas. S'il veut, il n'a qu'à fermer tes yeux. Et ouvrir. Première cassette, il faut continuer. Ils ont pris ta petite soeur. Maintenant, je viens maintenant. Ouais. Elle dit s'il veut, il n'a qu'à. Parce qu'ils m'ont amené me traiter avant que je vienne à Abidjan. Donc, elle dit s'il veut, il n'a qu'à t'amener où il veut. Mais, ce que vous avez, je ne veux pas là. C'est chez Dieu, hein. Il ne veut pas chez Dieu. Si il ne veut pas chez Dieu là. Mais pourquoi il ne veut pas chez Dieu? Si il va chez Dieu là, le feu va m'attraper. Donc, pas ta maman chez Dieu, hein. Pas ta maman chez Dieu. Mais si tu m'envoies chez Fétiché là, tes Fétiché là, ils sont même chose avec nous. Donc, si tu veux là, il faut dire, non, t'as mon père. S'il veut te traiter, il faut dire, amène chez moi, fais cher. Ils vont me traiter, ils vont casser mes yeux. Voilà. Il faut leur dire ça quoi. Mes enfants ils sont comme ça. S'ils veulent, il faut leur dire ça. Ils vont accepter. Donc, quand il a dit ça, ils sont partis chez eux, tu sais. Ils ont cassé mes yeux. Ils ne partent plus la sorcellerie. C'est semblant. Ils ont cassé mes yeux. Le féticheur, lui, il est fort. Mais ma grand-mère, elle a la solution. Elle est déterminée. Ma grand-mère, elle a la solution. Donc, qu'ils ont fait ça, il a commencé à me traiter. Quand il a fini de me traiter, c'est tout. On l'avait comme son crachat. Elle a pris pour ouvrir mes yeux encore. Encore. Voilà. C'est son crachat, son simple crachat. Elle a fait un peu. Puis elle a essuyé. On vient à ça. Il va appeler, il va où est-ce qu'on fait encore. Tout est revenu. Je suis venu à Abidjan. Elle dit. Elle m'a conseillé, elle dit, si tu vas là-bas, si tu t'emmènes à l'église, tu vas voir. Si on veut t'emmener, tu faut dire, non, je ne vais pas. Hein. Tu t'emmènes, puis tu m'envoies dans le feu. Tu vas voir ce qu'elle te fait. Si elle te trouve, elle te tue. Il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de problème, on va m'emmener à l'église. Si ma maman m'a amené à l'église, elle dit, non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas m'amener à l'église. Non. Tu luttes. Il lutte, il dit, je ne vais pas. Il dit, si elle veut m'amener à l'église, je pleure. Il dit non, je ne vais pas à l'église. Et puis, elle dit d'accord. Elle s'assoit. Elle dit allons-y à l'église.
ça là. Voyez, lui, elle lui a dit un peu seulement, où c'est mes frères. Elle dit non, elle dit non, ça là, ça c'est pas petit problème. Faut m'envoyer, je fais du jet, je vais me soigner, je suis à tout. Faut m'envoyer, ça me parle, elle dit non, je ne vais pas. Elle dit pardon, allons-y à l'église, elle dit non, je ne vais pas. Elle m'a pu, elle dit faut du non. Elle est là, si elle a côté de toi, mais personne ne la voit. Personne ne la voit, c'est moi qui la voit. Elle dit faut du non, si tu as dit oui, faut du non, faut du non, faut du non. Elle dit non, je ne vais pas, je ne vais pas partir à l'église. Elle aussi. Elle dit forcément à partir de l'église. Elle a dit, faut pas foquer. Faut aller. Et je suis partie. Quand elle a expliqué. Quand elle a commencé là. C'est quand elle est partie derrière elle. C'est une femme. Quand elle a commencé à prier fort là. Elle était assise. Elle a fui à mi temps la mis dedans. Et il la voit. Il est fait comme ça. Elle était assise, il fait comme ça, elle n'est plus là. Ben elle dit, quand elle a commencé à prier là, elle va faire quelque chose. Elle va mettre quelque chose, puis ça l'a touché fort. Mm-hmm. Voilà, pour plus elle va prier. D'accord. Donc, une attaque quoi. Mm-hmm. Voilà. Elle dit, faut me regarder. Si tu me regardes, elle va te montrer. Donc quand elle fait comme ça, elle a regardé. Quand elle a commencé à prier fort, elle sait qu'il y a puissant de Dieu, ciel fort là. En même temps, quand elle a fait le feu en même temps là. La voix, elle a pourri à même temps, paf, c'était mouche, c'était assis, mouche. Elle s'est transformée en mouche. Voilà, mouche pour s'asseoir. Comme ça, elle va la piquer en même temps. Elle va la piquer quoi, voilà. Mouche va la piquer et faire la mal en même temps. Mal. Donc elle a fait en même temps, mouche a fait fond, c'est parti. Elle est plus. Maintenant, comment aujourd'hui tu es arrivé ici? Puisqu'elle dit qu'il ne faut pas aller à l'église, puis aujourd'hui encore tu es venu voir papa. Maintenant, quand elle est partie, ça c'est le détail un peu. Maintenant on va arriver maintenant. Quand elle est partie, elle ne la voit plus. La nuit, c'est qu'elle m'a montré. Dieu. C'est Dieu. Elle t'a frappé la nuit. Elle m'a frappé. Elle prend quoi pour frapper? Elle m'a frappé. Elle dit pourquoi moi je suis partie à l'église? Pourquoi même? Pourquoi quand elle a prié là, il n'a pas dit qu'il faut me laisser. Et puis je ne suis pas sorti. Et puis moi j'étais assise là. Pourquoi elle m'a frappé jusqu'à elle dit d'accord. C'est encore fini. Ça continue. Donc, maintenant, la Sénat est venue chez elle à Abidjan. C'était en 2012. Ça y est, ça a commencé. Qu'est-ce que c'est fini? Elle a commencé. Elle va faire tout. Boîte sans les mains. Tu sais. Maintenant, Jean va arriver. Ça va approcher un peu. Il a dit en même temps à maman, c'est maman, si elle la tue, il tue ses enfants, il va avoir quoi dedans? C'est mes parents, si elle garde leur foyer, moi je vais manger quoi? Elle est là-bas, elle est presque vieille, moi aussi, je suis encore petite. Maintenant, maman était restée en Ghana, elle était restée là-bas, puis t'as ma petite soeur. Elle a fait comme ça, m'a fait même de jour en jour. Mais toi, tu sais ce qui se passe. Voilà. Mais tu ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Ma fille est maigre du jour en jour. Elle maigrit, elle ne mange pas. Moi, j'ai la force de manger. Elle maigrit, elle ne mange pas. C'est-à-dire, elle est riche. Elle est passée. Elle va gagner viande pour manger. En janvier. Voilà. Elle rit. Elle dit, hey, c'est fini comme ça. C'est fini. Et ma petite fille, tu as fini à ça. Non. Rôle là, mais tu as bien joué. Elle t'a donné cadeau. Il est à ma petite soeur. Maintenant, quand tu es arrivé ici, comment ça s'est passé depuis que tu es arrivé ici aujourd'hui? Que je suis arrivé ici. C'est la première fois que tu viens ici? Non, ma deuxième fois. Mais la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es venu, est-ce qu'elle t'a laissé venir? Non. Elle t'a dit encore pour ne pas venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. La première fois, quand nous sommes arrivés, la dernière fois, quand elle est quittée, nous sommes arrivés la dernière fois, c'était un vendredi. On dit papa ne travaille pas les vendredis, il se repose. Donc c'est dans ça, moi, je suis tombée malade. Tu vois ma bouche, je suis tombée malade, j'ai fait 4 jours à l'hôpital. Donc c'est avant-hier, je suis venue à la maison. Donc elle dit, ma grand-mère dit de te tuer. Mais comme je ne peux pas te tuer, en prenant ton âme, tu m'as allumé dans mon ventre. Et c'est ça qui fait que mon ventre me fait mal à tout moment. Donc maman, où est-ce que mon ventre me fait mal? Mais maman, on a bu le sang de ta fille. Fabelle, on a bu tout son sang. Ça cause, elle maigrit. Elle ne grossit pas. Maman dit, si on finit de tuer ta fille,
C'est ça. Maintenant, comme tu aimes beaucoup ta fille, tu vas pleurer ta fille 800 ans, tu vas rester dans le sommeil. Mais on a déjà pris ton âme en toi. Mais ton petit frère là, lui qui a eu son bac, qui est en train de faire son petit contrat pour pouvoir passer contre son cours là. Comme il a, tu vois de la main ton petit frère boire, non, ça ne vient pas de lui-même. Il va boire, c'est dans la boisson, on va le tuer. Ou même si on ne le tue pas dans la boisson, on va le mettre sur l'accident, c'est un accident qui va le tuer. Une soit, il ne vole pas, mais forcé, il va partir dans le maquis. On dit il a volé boisson, on va le tuer, on va le mettre en boîte. C'est là-bas, il va mourir. Ma grand-mère dit, maman, de te tuer. Maman, c'est ma grand-mère qui a mis furon sur le pied de ton mari. Et puis ton mari là, il dit, quand mon mari, si mon mari marche pas, il va aller au travail. Il ne va pas partir au travail. Et Firon là s'est placé ici. Le monsieur ne va plus au travail. C'est mon petit agent, maintenant on a commencé à utiliser là. Le monsieur ne va plus au travail. Elle dit, c'est nous, on a mis Firon, sur de ton mari. Mon mari, c'est un politicien. Quand il y a quelque chose, les gens ont peur. Parce qu'il est beaucoup connu. Il est parti faire politique au village. Il est tombé accident là-bas. Il a fait accident là-bas. Elle dit, maman, c'est ma grand-mère qui a mis filet sur la route pour que son mari meure. C'est pas son enfant, mais elle va le tuer. Quand elle va le tuer, là, comme ça, tu vas venir. Puis ta mère va te tuer. Maman, c'est ma grand-mère qui m'a envoyé. Elle dit de te tuer. Elle dit de tuer ta fille. Elle dit de tuer ton petit frère. Là, comme ça, tout est bien. Ta chance. Chance de ta fille pour ton petit frère. Elle va tout ça là, elle va me donner. Là, il serait reine. D'accord. Donc, c'est à cause de tout ça là. C'est à cause de tout ça là. Mm-hmm. Elle m'a envoyé chez toi à Abidjan. Mm-hmm. Que c'est ta maman qui m'a envoyé. C'est elle qui m'a dit de gâter ton foyer. C'est elle qui m'a dit de. Tu es ta fille. Et aujourd'hui, vous êtes venu maintenant chez papa. Et maman, comme moi, tu ne m'as rien fait de mal. Tu me prends bien. Tu perds tout pour me donner. Pourquoi j'ai été tué? Pourquoi j'ai tué ma petite soeur? Je ne peux pas, maman. Que voici ce que ta maman te dit. Me dit de te faire. Ça, c'était en 2012. Mm-hmm. Ça a passé. Ma mère est morte en 2013. Elle est morte. Mais elle dit elle est morte, mais elle n'est pas morte. Dans c'est-à-dire que l'esprit de société est là. L'esprit de société, c'est elle là. Mm-hmm. Quelqu'un qu'on a fait son funérail. Elle vient pratiquer la sorcellerie encore. Elle a donné ça à quelqu'un d'autre. Elle a laissé ça à ma chose, la grande femme de mon papa. Mm-hmm. Bah, mon papa, son grand frère, sa femme. Elle est encore vierge, elle est vieille. Elle avait 11 enfants. Ses enfants étaient grands comme vous, mais puis les enfants meurent. Les papas, là, ça meurt. Sa seule fille, elle est restée. Et la vieille a dit, votre maman est partie, mais son canari est là. Mais femme ou garçon qui est venu prendre ce canari, moi, femme, tu vas venir me trouver, je suis là. Vieille femme, quand tu l'as dit que c'est aujourd'hui, elle est née. Et maman, elle conduit la vieille femme pour dire que va les prendre, tu vas venir. Il a dit à ma fille, il a dit, mais maman, elle est morte. Comment ça fait qu'elle revient encore? Et puis elle est sur nous encore. On ne peut même pas gagner, c'est vrai. Elle dit, maman, ta maman, elle est morte, hein? Mais elle n'est pas morte. Il a dit, mais ma fille, là, elle est revenue à plat encore. Enfin, Richard, il ne sait pas ce qui se passe. Elle dit, maman, on a été boire sang de ta fille encore. C'est parce qu'on ne voit pas son sein. Mais on a attaché son cou, les moutons, les herbes qu'elle mange, c'est ça qui fait que son ventre ça pousse. Ton petit frère, il a toujours mal, ton dos lui fait mal, son œuf lui fait mal. On a attaché ton petit frère, on a attaché ta fille, c'est les deux moutons de janvier 2014 là. Mm-hmm. C'est les deux moutons qu'on va manger, parce que ce sont eux qui sont là. Maman, dépêche-toi, viens au village, tu vas déterrer ce canari. Et puis on va venir à Abidjan, sinon si tu ne viens pas, ce n'est pas bon pour vous. On a fait au village, parce qu'elle dit qu'on n'a pas allé déterrer le canari. Mais la vieille a dit, la personne qui a venu déterrer le canari, la personne va le croiser. Maintenant, aujourd'hui que vous êtes venu chez papa. Aujourd'hui, quand nous sommes venus chez papa, elle a dit, maman, je suis fatiguée. Mm-hmm. Le canari est déterré, mais ta main, elle est toujours derrière moi. Je suis fatiguée. Allons-y à l'église. Elle a la folie sur moi. Allons-y à l'église. Que ta main dit, tant que je ne donne pas une chose, souvenir, parce que je l'ai dévoilé. Mm-hmm. J'ai dit tout. Donc, il doit donner un souvenir qui va prouver que de la main, il est dévoilé là. Il doit laisser un souvenir là. Elle ne laisse pas souvenir. Mm-hmm. Elle ne donne rien. Mm-hmm. On dit qu'il faut donner ton tronc. Elle dit qu'il ne peut pas donner ton. Toi, on donne ton père. Toi, tu as fait tes enfants. Moi aussi, j'ai fait mes enfants. Il ne donne rien. Elle dit qu'il faut donner ton père. Elle dit qu'il ne donne pas mon bras. Elle dit si c'est comme ça, il va te rendre folle. Mm-hmm. Tu vas te promener. Puis c'est comme ça, tu vas mourir par là. Elle dit tu ne vas jamais me rendre folle. Moi aussi, je ne veux pas. Elle dit tout à ta fille. Okay. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit tout. Donc, je l'ai amenée dans un cas de prière. Comme j'étais malade, j'ai dit à un de mes cousins dit, en attendant que je sorte de la maladie, il faut l'amener dans ce camp-là. Et c'est là-bas qu'elle est restée. Et puis maman est venue m'attaquer. Mm-hmm. J'ai vu ça en songe même. Elle est venue m'attaquer. C'est elle-même, sa mère, qui s'est mise au devant. Elle a porté une petite culotte et un petit haut. Les filles sont en train de me chercher. Parce qu'ils ont dit que depuis un mois, je suis tout engrippée. On dit que c'est le début de sinusite. Elle dit tu as sinusite, non, attends, il y a tes soins. Elle dit mais t'as mes soins comment? J'ai couru. Et puis on voulait grimper quelque chose comme ça pour monter. On dit si vous ne vous dépêchez pas là, que la corde là se coupe là, vous allez mourir. Hein. Et un coup, j'ai touché la corde, c'est coupé. Moi, je suis restée en haut. Tous ceux qui sont en bas de moi, tout le monde est mort.
C'est moi, je me suis accroché en haut. Donc, il commence à m'envoler maintenant. Il m'envole, il me promène. Je suis devenu folle un coup. Ça, c'est un songe. Mais maintenant, quand tout ça s'est arrivé, qui vous a conseillé ici maintenant? Moi-même, je connaissais ici. Vous connaissez ici? Je connaissais ici, mais la petite fille n'était pas à côté de moi. Okay. Donc, je cherche solution maintenant pour la prendre pour qu'on vienne ici. Okay. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, ah, je n'ai plus rien dans ma main, que je suis sortie d'une maladie, qu'il faut nous envoyer quelque chose. C'est comme ça, nous envoyer quelque chose de moi hier. Il dit, ce matin, il faut qu'on se rende ici. C'est comme ça, nous sommes arrivés ici ce matin. Okay. Donc, mais ça, avant ce matin, vous étiez déjà venu avec elle, elle était déjà venue avec elle, mais papa ne lui se fait pas. Non. Ah, donc, c'est aujourd'hui qu'elle va croiser papa. Voilà. Ok. Bon, maintenant, aujourd'hui que tu croises papa, est-ce qu'il y a encore des gens derrière toi qui viennent te dire que papa est venu ici, que tu ne t'as pas suivi aujourd'hui? Non. Tu es venu seul? Oui. Ok. Maintenant, quand tu es venu, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu... Pas avec les yeux physiques, hein, spirituellement. Mm-hmm. Voilà, qu'est-ce que tu as vu dans la vérité? Voilà, qu'est-ce que tu as vu? Il a vu que... Il était fort. Mm-hmm. Il a vu qu'on ne peut pas le toucher comme cela. Donc, moi je veux que je me libère. Je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qui fait que tu veux sortir de la société? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu, pourquoi tu veux sortir de la société? Parce que y a les gens qui se confessent. Il y a les gens qui sont sauvés. Il y a les gens qui sont libres actuellement. Ils sont là. Et puis, quand ils parlent, ils disent c'est Dieu de Papa Florent. Moi aussi, elle dit, ah, si c'est comme ça, moi aussi, elle est partie chez Papa Florent, elle m'a mis libérée comme les autres aussi, elle est devenue comme les autres. Donc la société, c'est une prison. Oui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu veux sortir de la société? Oui. Parce qu'il a vu qu'il est fort. Mm-hmm. Il est vraiment fort, on parle de lui partout. Moi aussi, il a vu qu'il est fort. Que c'est ce qu'il veut.